I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! The spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N-W-O. The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonsoir tout le monde, bonjour ou bonsoir, j'espère que ça va bien, mon nom est Jonathan Drapeau, je suis avec mon collègue Benoît Laferrière, a.k.a. Nastradamen, comment ça va mon Ben? Yes sir. Écoutez, aujourd'hui c'est une émission spéciale, unique, sur le défunt Chris Benoit qui a fait des tempêtes dans le ring, mais aussi, Ben, tu te souviens des tempêtes à l'extérieur du ring malheureusement. Et on ne pouvait pas passer à côté du 15e anniversaire de décès prochainement. Là, Le 25 juin de cette année, ça va faire 15 ans. Je tiens à préciser qu'en aucun cas, c'est un hommage, mais bien un fait qui s'est réalisé dans la lutte. Oui, c'est exact. Dans le fond, on voulait relater des faits sur sa carrière et puis un peu le déroulement. C'est ça, exactement. Donc, ben, on est disponible sur Apple Music, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Alouette. Et puis, puisqu'on en est à des nouvelles, ben, commençons avec une très grande nouvelle. Je ne sais pas si récemment vous avez vu notre émission sur Ahmed Johnson, notre première émission anglaise. On s'est bien débrouillé. Et puis, d'ailleurs, prochainement, ben, on va avoir une émission spéciale, non seulement avec une invitée spéciale, mais on va avoir deux invités spéciales sur notre podcast. Donc, mesdames et messieurs, on vous annonce en grande primeur qu'on va avoir B. Brian Blair. Les Jumping Jim Brunzel, les Killer Bees, mesdames et messieurs. Yes! Donc, ça risque d'être fort intéressant. Les gars sont super sympathiques. Donc, on a vraiment hâte de les rencontrer prochainement. Alors, commençons vivement dans le sujet avec Chris Benoit. Donc, Chris Benoit, dans le fond, c'est pas un secret pour personne. On sait tous que c'est un Canadien qui est né le 21 mai 1967 à Montréal. Donc, techniquement, c'est un Québécois. Quand tu nais à un endroit, tu es un Québécois. Il est né à Montréal, mais il a passé son enfance. Il a été élevé. Il a grandi à Edmonton, dans l'Ouest canadien, c'est-à-dire en Alberta. C'est ça, exactement. Et puis, Chris Benoit, on va pouvoir discuter dans le fond. Il était un lutteur adulé des foules qui a fait carrière pour commencer dans le fond à la Stampede Wrestling de Calgary. Et puis par la suite, dans le fond, avec la fameuse famille Hart à Calgary, dans le fond. Oui, exactement, la Stampede Wrestling. Il a commencé avec Stu et la gang. Ensuite, il a fait le Japon. Avec la New Japan Pro Wrestling. Ouais, Pegasus Kid. Yes, il a fait la WCW, où là, dans le fond... La UCW avant? Oui, c'est ça. Puis la WCW, c'est là où il était dans la division mid-card, lightweight. Ouais, il a viré Main Eventer, mais vraiment, à dernier moment de sa carrière. Ça, il était beaucoup moins imposant. Là. Il était beaucoup plus rapide à l'époque aussi. Ben, il avait toujours été quand même assez rapide. Ouais, mais, rapide et intense. Vous pourrez comprendre, lors de notre émission, on va vous en parler davantage, mais à un moment donné, son physique, suite à certains événements, on fait en sorte que ça allait exploser. Son cerveau aussi. Yeah, c'est ça. Donc, il faut noter qu'il a également lutté sous les noms de Pegasus Kid. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu davantage, mon Ben? Oui, quand il a commencé, c'est ça. Il a également lutté sous les noms de Pegasus Kid, de Wild Pegasus. Il s'est grandement inspiré du style de Tom Billington, c'est-à-dire Dynamite Kid. D'ailleurs, il y a Dark Side of the Ring, c'est Dynamite Kid, assez intéressant, où on apprend des verbes et des pommures sur ce gars-là. Disons que les fils sont touchés une couple de fois. Oui. On voit que certains lutteurs ont amené certaines inspirations du passé, tu sais, puis ont récupéré certains trucs. Tu sais, puis ils veulent pas. Dans ce milieu-là, tout a été fait un peu. Fait que, tu sais, ils vont récupérer ce qu'ils trouvent intéressant, puis ils créent des formules avec ça. C'est un autre qui est tombé de héros à zéro, ça. Ouais. Tu sais, la fois qu'il prend comme en otage sa femme enceinte, là. Il pointe un gun, ça, tu sais,
Ah, le mot n'est pas toujours clair là-dedans. Stéroïdes, puis quoi à tête, là, moi, te dire. C'est... Ah, non, ça ne rend pas toujours le monde hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est Brice Fetich, tu peux-tu en parler un peu? Oui, quoi, quoi, dans le fond, il y avait le fameux Flying Headbutt, ah, ben oui, qui a probablement causé des séquelles à long terme à cause d'un... Ah, ben c'est du... J'imagine. Hey, là, 300 fois par année, fait que 300 Flying Headbutt fois 20 ans, fait que c'est 6000 headbutt, là. Ouais, quand tu y penses comme fou. Ouais. C'est fou pareil, là. Bon, il y avait les fameuses German Suplex, ah, oui, à répétition, puis sa prise de finition, dans le fond, c'était le Crossface ou le Sharpshooter. Pas de temps en temps. En l'hommage de la Hart Family, tu sais, c'est, vu qu'il a été entraîné par Stu. Fait que j'imagine que ça doit avoir comme un lien. Ben, à Backlash 2004, il y avait un Triple Threat. Il était World Heavyweight. Chris Benoit, il a lutté contre Shawn Michaels et Triple H. Il a fini Shawn Michaels avec le Sharpshooter. Ouais. Puis c'est ça, c'était local, là, c'était Edmonton. Ben, en hommage à Brett, l'Alberto. Fait que c'est un bon point que tu amènes là. Ouais, c'est exactement ça. Donc, est-ce que tu voudrais nous parler des dates marquantes de Monsieur Benoit? Ah, il n'y a pas de problème. La première date marquante, c'est peut-être... c'est une date... C'est sûr que c'est pas tout le monde qui parle de cette date-là, mais c'est bon de le mentionner. C'est que le 5 novembre 1994, lors de l'événement ECW November to Remember, il blesse accidentellement Sabu en l'envoyant sur la nuque. Déjà un événement tragique pour Chris Benoit. J'ai l'impression qu'il voulait peut-être faire comme un surpassement, puis ça finit comme en flapjack, puis vraiment, on pourrait la partager éventuellement. Je pense que c'est trop souligné. Ouais, c'est ça. Il y a un manque de timing. Il a essayé de se protéger avec sa tête, mais le poids a pris, tu sais, avec son bras, excusez, puis le poids a pris tout le reste. Là, tu vois, il plie en portefeuille, là, c'est triste. Là. Sans dire que c'est un événement déclencheur, ça a dû le marquer. Tu sais, tu manques de paralyser un gars, c'est sûr. Ah, c'est certain. C'est comme D'Lo quand il a paralysé Draws. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, prochainement, hein, on pourrait peut-être en parler de D'Lo et Draws. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant, là, ouais, à parler de ce côté-là. Ensuite de ça, ben, on se souviendra aussi qu'il y avait eu le fameux combat du 23 mai 1999. Ben, le combat qui a jamais eu lieu, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Lors de l'événement WWF Over the Edge, son ami Owen Hart se tue accidentellement alors qu'il a fait une chute, dans le fond, d'une vingtaine de mètres en tenant une entrée acrobatique sur le ring, là, avec le cadre qui avait lâché M. Hart, s'est fracassé la tête sur le poteau de la reine. Et advienne que pourra, malheureusement. C'est meilleur que ouais, c'est le match qui est fait en hommage au Kemper Arena contre Britt à Nitro, c'était bon. Hein? C'était 10 sur 10. Oh, c'est même un 11 sur 10. Wow, ouais, c'était très bon. C'était malade mental. Ensuite de ça, tu peux-tu nous parler... Ben justement, c'est juste dans son DVD Hard Knocks qu'ils ont fait là, sur la vie de Chris Benoit. Il en parle de son ami Owen comme étant un bon gars. Il dit qu'il lui manque beaucoup. Tu vois qu'il est affecté par l'amour. Mais tu sais, en tout, puis moi, Ben, là, y a-tu quelqu'un qui a vraiment dit quelque chose de mal à propos de Owen Hart? Ça semblait tellement être une bonne personne, honnêtement. Puis il semblait, tu sais, faire rire tout le monde. Ah, c'était un bon vivant. Ouais, c'est ça, c'était un bon vivant. Et puis, ben, en 2001, wow, oui, sa carrière a failli prendre fin alors qu'il se blessa au cou, plus précisément une rupture d'un disque dans le cou. Il fut opéré et hors des rings pendant près de un an, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est le bord de back souplesse qui a fait de la toi, si je ne m'abuse. Ouais, ça a mal. Parce qu'il en parle dans Friday's at Home, là, le rupture de disque fragmented into my spinal column. Ouais, puis c'est comme la German Suplex, de la façon qu'il l'a fait, j'ai l'impression que c'est pas la chute qui l'a arrêté, mais le rebound de l'autre personne qui est en dessous qui a donné un coup. Ah, ouais. Genre... puis ça a fait sortir ce qui s'est passé. Fait que, est-ce que tu veux nous parler aussi de l'événement du... Mai 2003. On va vous arriver avec ça, mesdames et messieurs. Mai 2003, sa charmante épouse, une très belle femme, Nancy, qui faisait Woman à WCW. C'est elle qui accompagnait McMichaels? Je suis pas certain. Debra. Ok, c'est moi qui... ouais, c'est ça. Mais c'était la femme de Kevin Sullivan avant. Kevin Sullivan avec Chris Benoit. Mais là, pour en revenir à ça, son épouse Nancy a fait des démarches pour divorcer car elle était victime à maintes reprises de violences conjugales de la part de son mari, autant physique que psychologique. Elle a cependant de retirer sa demande de divorce en août de la même année. Alors, c'est sûr que... Elle a fait un Sony, t'avais Lynch. Oh, ouais, t'avais Lynch. Elle trompait Chris Candido avec Shawn Michaels dans backstage. Rumeur avec Brett, ouais, Sony 2. Je sais pas si c'était vrai, en tout cas. Récemment, j'écoutais un
un podcast d'un lutteur que je nommerai pas pour le moment parce que ça se peut qu'on l'aille sur notre podcast. Oui, exactement. Mais il nous avait parlé de ça, là, justement. Il m'a parlé de ça. Là, qu'à un moment donné, il était dans le backstage avec des gars puis qu'il avait vu Sonny parler avec Candido. Puis à un moment donné, elle s'en allait voir Shawn Michaels. Fait que c'est sûr que ça s'est fait à plusieurs reprises. Elle s'en allait sauter de la clôture. Exactement. Okay. Yes, puis sauter d'autres choses pour moi. Revenons à Chris Benoit. En 2004, tu te souviendras, mon Ben, cette année-là, dans le fond, il fut certainement le meilleur de la carrière de Chris Benoit. Ah oui, WWE, c'est quoi? Du moins, dans le Pro Wrestling Illustrated. Ok, tu vas aller dans le fond, il a remporté le Royal Rumble de la 2004, même année. Oui, ben oui, il a rentré premier, en fait. Il a été élu le lutteur de l'année. Parce que dans le fond, il avait fait un match contre Triple H et Shawn Michaels. C'était un three-way. Ça, c'est le match of the year. C'était le match de l'année. WrestleMania 20. Selon le Pro Wrestling Illustrated de cette année-là. Donc, la Feud of the Year avec Triple H. Feud of the Year, c'est ça. Et puis, il y a eu aussi le 13 novembre 2005, qui a été une grosse année de lutte et de déception. Ouais, ça a été, je pense que ça a été émotion, comme on pourrait dire. D'élément déclencheur parce que son ami, son collègue, est presque un frère. Ouais, oui, c'est ça. Il est décédé malheureusement à l'âge de 38 ans. Lors de son témoignage à Raw, il était inconsolable de la mort de son ami. Il rendra hommage à Guerrero dans un match à SmackDown contre Triple H, qu'il gagne avec une accolade à la fin du combat entre les deux gladiateurs. Yes. Ouais, la mort de Guerrero, ça a été l'événement déclencheur, je suis pas mal certain. Ben, c'est ça, tu sais, il y a certaines personnes qui pensent honnêtement qui croient que cet événement fut la goutte qui a fait déborder le vase, dans le fond, pour Chris Benoit, tu sais. C'était plus le même goût. Il y était plusieurs là, qui étaient très proches. Là. Il y avait Guerrero, Benoit, Mysterio, Malenko, c'était quatre. Ben, quand tu dis Guerrero, c'est Chavo. Oui, Chavo Junior. Ben, c'est vrai aussi, Chavo Senior, c'est ça. Et puis, il y a eu l'événement malheureux, fatidique, dans le fond, du 25 juin 2007. Malheureusement, la police d'Atlanta a découvert les cadavres de Chris Benoit, à 40 ans. Son épouse Nancy, 43 ans. Et puis, son garçon Daniel, qui avait uniquement 7 ans au domicile. Quand tu écoutes le Dark Side of the Ring, tu vois des archives du petit gars, tu te dis comment il peut avoir fait du mal à ce petit bonhomme-là. Ce petit gars-là, il semblerait qu'il avait une déficience, je pense. Ça a-tu été prouvé, ça, c'était des rumeurs? Je sais pas trop. Mais on connaît des psychologues qui pourraient répondre à cette question. Peut-être. Mais en tout cas, bref, c'est triste quand même. Puis on se souviendra aussi quelques heures juste avant cette fameuse situation. Il y a un lutteur qui avait reçu quelques textos juste avant. Est-ce que tu te souviens du nom du lutteur? Oui, mais ça, on peut. Ben, c'était Chavo Guerrero. C'est Chavo Guerrero qui avait. Mais on peut parler de la chronologie des événements, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Ben, allons-y avec la chronologie des événements, mon Ben. Donc, je te laisse y aller avec ça. Bon, mettons le. On commence par le 22 juin 2007. Ben, Chris Benoit, il avait tué sa femme par strangulation. Elle était attachée et certaines blessures ont indiqué que Benoît avait enfoncé un genou dans son dos. Il a laissé une Bible près de son cadavre. La décomposition du corps a rendu difficile l'estimation des niveaux d'icrocodone et d'alprazolam. Excusez-moi. Avant la mort, trouver des niveaux thérapeutiques dans ce corps. Fait que, l'autopsie, disons que ça. Ouais. Tu sais, des fois, tu sais pas trop, c'est quand à l'heure du décès. Tu sais, t'as les docteurs qui sont capables de. Ben, ça y va par hypothèse, hein. C'est de la biochimie, c'est de la science. Là, la police font assez d'enquête, il y a assez d'ADN aussi. On était au secondaire, on apprenait les hypothèses, puis tout ça, c'est un peu le même principe. Mais c'est un peu le même principe. Ensuite de ça, le 23 juin, donc pratiquement un mois après cette... Ah non, une journée. Une journée, oui, excuse-moi. Non, c'est pas grave, t'es fatigué. Excuse-moi, son fils apparaît tout fumant. Il n'a pas souffert car son père lui avait donné un tranquillisant du Xanax avant de l'assassiner. Une bib a été aussi déposée près du cadavre. Ben, quand ils disent, mettons, étranglement, ça laisse croire, il a fait le crossface pour y casser le cou. C'est sûr qu'il faut comprendre. Tu fais un crossface dans le vrai vie à quelqu'un, mais ça fait mal. Ah, c'est pour ça. En tout cas. Vers 15h30, le samedi 23 juin 2007, Benoît envoie un message vocal à son ami Chavo Guerrero du téléphone de Benoît, indiquant que Nancy et Daniel avaient une intoxication alimentaire et qu'ils seraient en retard pour le house show de Bowman au Texas.
pas Beaumont, là, pas à côté de l'Ozon, là, Bowman au Texas. Non, mais il y en a des fois qui ne comprennent pas, mais là. Yes. Et puis Guerrero, dans le fond, a rappelé Benoît et a constaté que Benoît n'avait rien, n'avait pas l'air bien. Guerrero qui était inquiet par le ton et le comportement de son ami, l'a rappelé à peu près une dizaine de minutes plus tard. Puis Benoît, dans le fond, il n'a pas répondu. Puis Guerrero a laissé un message demandant à Benoît de le rappeler. Ouais, tu me rappelleras, s'il te plaît. Bye. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, Chris Benoit, quand il a fini de téléphoner la première fois à Chavaux, il a dit « je t'aime ». Ouais, puis c'est pas le genre de truc qu'il disait normalement, là, tu sais, c'est un peu bizarre, hein. Fait que, durant l'appel, Chris Benoit a déclaré qu'il était stressé et inquiet du fait que Nancy et Daniel étaient malades d'une intoxication alimentaire. Fait que Guerrero a alors demandé « d'accord, mec, si t'as besoin de parler, je suis là pour toi ». Fait que Benoît a terminé la conversation en disant… Ah, c'est ça. C'est cette fois-là qu'il a dit « je t'aime, c'est pas point, c'est bon ». Plus tard dans la soirée, un autre collègue qui voyageait souvent avec Chris Benoit l'a appelé de l'extérieur de l'aéroport de Houston. Benoît a répondu et a dit au collègue que Nancy vomissait du sang et que Daniel vomissait aussi du sang. OK. Puis Benoît ne s'était pas pointé au washout de Beaumont. Beaumont-Saint-Michel. Exactement. Et a laissé un message vocal sur le cellulaire de Chavaux, encore une fois, en indiquant qu'il serait sur un vol qui arrivait, dans le fond, à Houston le dimanche matin. OK, il n'a pas dit « je t'aime » ce fois-là. Bon, yes. Il doit l'avoir pensé, par exemple. Le dimanche 24 juin 2007, mesdames et messieurs, 5 textos ont été envoyés à des collègues entre 3h51 et 3h58 à l'aide des cellulaires de Chris Benoit et de son épouse. 4 d'entre eux étaient l'adresse des Benoit. Le cinquième a déclaré que les chiens de la famille se trouvaient dans la piscine fermée et a également noté qu'une porte latérale du garage était ouverte. Ça, bon. Puis Chavo Guerrero, qui devait aller chercher son ami à l'aéroport de Austin au Texas, ben, il a remarqué que Benoît, ben, il s'était pas présenté cette fois-là. Ouais, c'est spécial. Là. Alors, il mène en peau de Chavo. Là, ouais. Alors, après, le procureur de... Non, oui, c'est... Alors, excuse-moi, alors que l'étonnement de tout le monde, les collègues, les fans, les téléspectateurs, Benoît n'a pas lutté au Night of the Champions, où il devait affronter CM Punk pour le titre vacant de l'ECW. C'est Johnny Nitro, dans le fond, qui l'a remplacé. Ouais, puis il avait gagné. Il avait été 2-3 mois sur le champion de l'ECW. Ouais, je pense que oui. C'était un bon petit match contre CM Punk. Ouais, c'était bon. D'après le procureur de district, Scott Ballard et le shérif de la ville... Benoît a utilisé un cordon de machine à poids pour se pendre en créant un nœud à partir de l'extrémité du cordon d'une machine à musculation dont la barre avait été retirée. Benoît a lâché le poids, le tuant instantanément. Ballard a déclaré que Benoît avait été retrouvé pendu au câble de la poulie. C'est comme si, dans le fond, tu tires la poulie avec des poids, tu te crisses la tête dedans, tu laisses tomber les poids, clout. Non, c'est pas ça. Moi, au début, je pensais que c'était non, ça. Non, c'est que, dans le fond, il a baissé la pin le plus bas possible. Ouais, ben ça, t'as le plus de poids possible. Tu sais, la partie là, où est-ce que tu forces, là, ouais. Ben, ça l'accrochait autour de la tête, puis il a lâché, fait que ça allait. Ah, il y a peut-être quasiment 300 livres là-dedans. Ouais. Alors là, ça l'a levé. Il s'est pas manqué. Ah, ben sûrement pas. Ah, il y a une méchante affaire pareil. Donc, le lundi 25 juin 2007, annonce du décès de Chris Benoit, sa femme et son fils par la WWE. N'étant pas encore au courant des faits, la WWE a fait un hommage à Raw, à son défunt lutteur, avec des grands moments extraits de DVD Hard Knocks. C'était un témoignage d'amis, collègues et lutteurs. Yes. Les Triple H, Chavo Guerrero, CM Punk et Edge, ils parlent du lutteur et de l'homme en bien. Ils disent tout que c'était un bon performant. Oui, parce qu'ils ne savaient pas l'histoire encore. Là, c'était trop tôt pour savoir ce qui s'était passé. T'sais. Mais il y en a juste un, par exemple, spécifique qui avait des doutes sur... je te laisse... C'était le monsieur William Regal qui ne parle que du lutteur et non de l'homme. Soupçonnait-il quelque chose? Je pense que oui. Alors, le 25 ou le 26 juin 2007, une fois que la WWE est mise au courant des détails de la tragique histoire, elle se distancie du lutteur en retirant tout ce qui concerne Benoît, produits, marchandises, etc. Kraft Dinner? Non, je viens de ça. Kraft Dinner, Benoît. Non, mais tous les produits à son effigie. Ouais. Tout ce qui est DVD, revues. Doritos. Ouais, il peut avoir des Doritos aussi. Chipo Ketchup. Yes. Il a été rapporté que Chris. Plus tard après le drame, il a été rapporté que Chris Benoit consommait des stéroïdes anabolisants et se shootait des doses de testostérone, excusez-moi, de 10 mois en seulement 3 semaines.
Tabouin. Ah, ça devait être rough. Ça devait être rough dans le corps, honnêtement. Ça devait être rough pour la petite boîte à l'intérieur. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ce qui s'est passé, c'est un roid rage qu'il appelle. C'est comme tu prends trop de stéroïdes que tu vires fou, comme. Ouais, ben, en tout cas, plus que t'en prends, plus que tu dois virer fou. Mais tu sais, il en parle pas bien, le roid rage, là, mais honnêtement, là, il y en a, là. Tu sais, puis il essaie de cacher ça un peu, puis tout ça, mais tu sais, dans le passé, là, tu sais. D'ailleurs, chers amis, sur notre YouTube channel et sur Spotify, nos anciennes émissions, on a fait l'émission le scandale des stéroïdes, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, on vous le recommande. C'est une petite émission d'à peu près une quarantaine de minutes, je pense. Hein? Ouais, une demi-heure. C'est intéressant. Une demi-heure intense, bon. Mettons. Et puis, ben, dans le fond, le Lex-Luthor Chris Nowinski a demandé à Michael, le père de Chris Benoit, de faire examiner le cerveau de son fils. Et puis, les résultats de l'analyse confirment que son cerveau était tellement endommagé qu'il ressemblait à celui d'une personne à 85 ans souffrant d'Alzheimer. Hey, c'est fou, là! J'ai lu à quelque part qui Chris Benoit, il est d'habitude un church shot, tu manges ça, mettons, tu manges ça genre tox de main, mais lui, il mangeait ça de l'arrière de la tête. Puis ça, on l'a déjà vu ensemble. Ouais, ouais. Ben, ouais. Manger des coups de choix dans la piscine, c'est... Hey, si avait, en plus, il y avait le bulbe rachidien de décolissé. Puis, de mémoire, là, vous me corrigerez si je me trompe, cher auditeur, mais quand tu manges un coup derrière la tête, tu peux perdre la vue. Hein, parce que je pense que c'est là que ça se passe. Hein. Ben, en tout cas, ouais, je ne suis pas docteur, là, mais disons, mais ça ne doit pas aider. Ça, c'est non, c'est certain. Mais malgré toute cette tragédie-là, tu sais. Ça reste que ben, Chris Benoit, c'est un des plus grands lutteurs de tous les temps. Ah, tant qu'à moi, au même titre que Bret Hart, je retire un peu de positif derrière tout ça, tu sais, puis on se souvient de des très grands matchs, là, tu sais, il a lutté contre Kurt Angle à maintes reprises, c'était genre hallucinant. Moi, je me souviens, quand on était jeune, hein, on écoutait ça, il se faisait des trentaines de souplesses un en arrière de l'autre. Oh, c'était WrestleMania 17, c'est débile. Ah, ouais, ben, un aussi qui doit avoir des bonnes dommages au cerveau, c'est Kurt Angle. Là. Ben, récemment, il s'est fait opérer deux genoux. Là. Ça se peut. Chris, ses genoux, ils sont tellement enflés qu'on dirait des aubergines. Là, je crois. Ah, c'est malade. Comme le chasse à Cody Rhodes, là, WrestleMania Backlash. Yes. Et puis, quel autre combat qui était intéressant? Ben, au Japon, le Super J-Cup, tu m'avais prêté, 95? Ouais, Super J-Cup, 95. C'est assez débile, ouais, ça et tout. Avec le Lionheart, Chris Jericho, à l'époque, qui a fait un excellent combat. Il avait fait des bons combats à cette époque-là. Ensuite de ça, ben, il y a eu les multiples combats à la WCW. On se souviendra contre Eddie Guerrero. Oh, oui, on se souviendra contre Rey Mysterio, Dean Malenko. Quel genre d'autres beaux combats qu'il y a eu? Comme Bret Hart, rend hommage à Owen Hart, comme on l'a dit tantôt. Combat qu'on a vu. Il avait fait aussi, comme on l'a parlé tantôt, il avait gagné le Royal Rumble 2004. C'est un lutteur complet, honnêtement. Il était champion poids lourd aussi. Ouais, World Heavyweight. Malgré toute cette... Il était limité au micro. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été champion du monde trop longtemps. Non, c'est ça, mais c'était quand même un excellent. Ah, c'était un des plus grands. En tout cas, moi, il fait partie de mon top 5. Oui, mais malheureusement, ben, advienne que pourra. Hein, avec, on peut pas. Cher auditeur, il faut essayer de dissocier l'homme du lutteur. Ah, exactement. C'est un peu comme William Regal l'a dit tantôt. Il faut vraiment séparer la carrière du lutteur, qui était vraiment on top, de la personne derrière le lutteur, qui souvent, dans l'ensemble, je dirais peut-être un 80%. Des lutteurs en tant que tels, c'est pas nécessairement des bonnes. Ils n'ont pas nécessairement des bonnes auras. Il y a souvent des passés assez particuliers. Tu as parlé tantôt de Dynamite Kid, mais si on revient avec des Brian Pillman, des Dino Bravo, des. Écoute, j'en passe là. Ben, Jake Dustin qui était à sa boîte. Les Bruiser Brody, les. Les Rick Rock qui sont sortis à la graine à l'aéroport dans l'avion. Oui, ben c'est ça, tu sais. Fait qu'ils. C'est des êtres humains comme vous et moi. Là. C'est pas parce qu'ils font de la lutte que c'est nécessairement des enfants de cœur. T'en as qui ont des. Exact. Ils ont un passé assez douteux, disons. Yes. Mais là, d'après toi, avec ce qui est arrivé, ils l'introniseront jamais au Wall of Fame. Hein. Ça m'étonnerait bien. Moi, je penserais pas qu'ils vont l'introduire au Wall of Fame. Par contre, je pense qu'on pourrait peut-être avoir éventuellement un nouveau Benoit à la WWE. Ça serait son fils, hein? J'ai vu passer récemment que son fils,
Je ne me souviens pas de son nom. David. David. Lui, c'était avec sa première femme, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Oui, exactement. C'est pas Nancy sa mère. Physiquement, là, David... David ouais, Bellet, il ressemble à son père. Lui, il a commencé à faire de la lutte. On le voit de temps en temps dans des podcasts. On le voit dans Dark Side of the Ring. Et puis, ben, il a commencé à faire un peu de lutte. Fait que peut-être qu'éventuellement, on pourra peut-être le voir à la WWE, mais en même temps... La AEW, peut-être. Peut-être l'EW. Je ne sais pas. Est-ce que les gens vont être assez brillants pour dissocier une fois de plus le père du fils? Mais c'est pas de la faute du petit gars. Là. Non. Tu sais, je sais que c'est pas évident. Là. Ton père, c'est un meurtrier. Tu veux te faire une place dans la lutte. J'emploie souvent cette expression-là. Malheureusement, il est dans l'ombre de son père. Malheureusement. Ouais, c'est pas de sa faute. Je voudrais pas être dans la peau de David Benoit. C'est un peu le Marty Jannetty de Shawn Michaels. Ouais. Yes. Ça va être plugué. C'est ça. Exactement. Donc, souhaitons-lui la meilleure des chances. Ah, je souhaite bien. Je souhaite pas de malheur à ce gars-là. C'est ça, exactement. Mais malheureusement. Donc, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'histoire, de la tragique et de la carrière de Chris Benoit. Donc, merci, mon Ben. Ben, ça fait plaisir, Jo. Yes. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur le défunt Chris Benoit, son 15e anniversaire de décès. Donc, mon nom est Jonathan Drapeau. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. J'étais avec mon collègue Benoît Laferrière, a.k.a. Nostrada Ben. Comment ça va, mon Ben? Ah, ça va, numéro 1. Ben, sérieusement, n'hésitez pas à faire un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Et, chers Wrestle Rock Stars, on se retrouve la prochaine fois pour un autre Wrestle Rock Podcast. L'action ne manquera pas. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.